Passer à la loupe la fraude documentée lors de la constitution des dossiers de prestations et en dégager des solutions pour mettre fin à cette pratique. C'est la mission assignée à diverses structures étatiques invitées à prendre part à un séminaire relatif à la question par l'institution de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État IPS CGRAE. La fraude documentée, une pratique malsaine aux conséquences financières énormes. La fraude documentaire est un terme générique qui recouvre plusieurs réalités, telles la contrefaçon, la falsification, l'usurpation d'identité, les documents volés, vierges et les documents fantaisistes. Quelle que soit sa nature, la fraude documentaire a un seul et même effet, à savoir s'attribuer des avantages non justifiés et par conséquent contribuer à la saignée financière des régimes de sécurité sociale. Deux membres du gouvernement présents pour les travaux. Une plateforme qui va bien dans le sens de la mission du ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. En matière de gouvernance, les efforts qui ont été faits depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'IPS CGRAE a amélioré sa prestation, la qualité de ses prestations, la qualité de sa proximité avec les populations bénéficiaires. Et c'est un effort qui doit aller de l'avant. Les attentes de la tutelle sont nombreuses. Je reste convaincu, au regard de la pluralité des acteurs présents et de vos compétences respectives indéniables, qu'un dispositif complet de lutte contre la fraude documentaire, comprenant des actions de détection, de prévention et de dissuasion, pourra être mis en place sur la base des recommandations tant attendues de ce séminaire. 600 millions de francs CFA, c'est le préjudice subi par l'IPS CGRAE en termes de fraude sur documents en 2021. Depuis 2013, il est bon de savoir que le nombre de pensionnés payés était de 100 000. Le mécanisme de détection de fraude documentaire a permis d'éjecter jusqu'à juin 2022 environ 14 000 faux bénéficiaires. Les efforts continuent contre le faux.